Dans la galaxie Ubisoft, on le sait, les blockbusters sont légion. On pense notamment à Far Cry 5 et Assassin's Creed Origins qui sortiront dans les prochains mois et qui vont faire le bonheur des joueurs. Mais il y a aussi des jeux d'envergure un petit peu moindre mais qui comptent. C'est le cas de The Crew 2 que vous avez derrière moi, qui m'a été présenté il y a quelques minutes par l'éditeur français. Donc The Crew 2, c'est une suite directe de The Crew 1 qui était sorti il y a quelques années. Il reprend globalement le concept de The Crew mais il l'améliore. Alors clairement, c'est un délire arcade, open world, hyper connecté. Et disons, la spécificité principale de The Crew 2, c'est qu'il y a désormais, il n'y a pas que des voitures, il y a des avions et il y a des bateaux. Donc en fait, ce qui est super cool, c'est qu'on peut switcher à la volée. En gros, vous pouvez démarrer avec un avion et une simple pression sur un bouton, si vous êtes au-dessus de l'eau, vous pouvez passer en mode bateau et continuer votre course sur un bateau, puis après changer avec un véhicule. Donc du coup, ça donne une souplesse extrême au gameplay. Alors certes, c'est irréaliste au possible, mais c'est hyper hyper fun. Donc vous avez un monde ouvert qui est, on m'a dit, il sera aussi grand que The Crew 1. Et il faudra donc, en fait, vous avez la carte des États-Unis qui est reproduite. Vous irez de New York jusqu'à Los Angeles. Il faudra environ 1h30 pour faire l'aller dans un sens ou dans l'autre. Donc ça augure d'une carte qui est finalement très grande. Donc moi, j'étais à New York. Alors, on a fait des défis. Il y a trois modes supplémentaires avec des motos, du drift et des courses de proto, sorte de Formule 1. Et du coup, on peut se lancer des défis avec en multi avec des collègues ou des gens que vous connaissez. Donc ça sort le 16 mars 2018. La date de sortie a été annoncée il y a quelques heures. Et sincèrement, si vous aimez les délires arcade assumés, sans prise de tête, sincèrement, ça pourra vous plaire. Et un petit mot aussi sur la physique. On m'a parlé de la physique qui a été améliorée vis-à-vis de The Crew 1. Alors certes, ça reste de l'arcade, mais du coup, vous sentez un petit peu mieux les véhicules et vous avez un peu plus de plaisir à piloter si toutefois vous voulez vous investir un peu plus dans le pilotage. Donc à ne pas manquer si vous aimez vraiment les jeux de voiture sans prise de tête.